Voilà, c'est ici, derrière l'hôtel. Il faut utiliser la barre de trio rouge. Pour ouvrir un nouveau passage. Et c'est là que se trouvent Squall et compagnie. Les marques de trio blanches, on ne peut pas encore utiliser. Alors, tu as trouvé la serrure? Oui. La Keyblade l'a verrouillée, automatiquement. Bien. Chaque monde possède une serrure, et chaque serrure mène au cœur de ce monde. Il doit également y en avoir une dans cette ville. Comment ça? C'était dans le rapport d'Ansem. Les 100 cœurs entrent par la serrure et modifient le centre du monde. Qu'arrive-t-il au monde? Il finit par disparaître. Quoi? Bah oui. C'est pour ça que la clé est si importante. Tu dois verrouiller les serrures. Tu es le seul à pouvoir le faire. Vraiment? Tu comprendras mieux en explorant d'autres mondes. Vigé. On a trouvé tes amis et le roi. Oui, tu as raison. D'accord. Et c'est tout? Y a pas d'autre... Hé Léon, ce bloc de Gumi est différent des autres, sais-tu à quoi il sert? Demande à Sid, il devrait savoir. Attends Sora, prends ça avec toi. Orbe de la Terre. Ah oui, cette pierre enferme un pouvoir mystérieux. Je vais garder comme porte-bonheur, je te la donne. Comment s'en sert-on? Léon? C'est quoi ça? Fais voir. Tiens, mais c'est un bloc Gumi. Ouais. À quoi sert-il? Vous plaisantez ou quoi? Vous pilotez un vaisseau Gumi, vous n'avez jamais vu un ami Gumi? Bien conscient, l'espace, c'est pas pour les amateurs. Il y a plein de choses qu'on ignore. Et alors? On doit utiliser le vaisseau Gumi pour rejoindre d'autres mondes. On n'a pas le choix. Voilà, du calme. Je ne savais pas. Sans recul, d'accord? Bon, dans ce cas, je peux vous donner un coup de main. Merci. En fait, grâce au Navigomi, on peut aller dans de nouveaux endroits. Vous en voulez un sur votre vaisseau? Je vais vous l'installer. Et je dois d'abord livrer quelque chose. Quoi donc? Un livre. Il est très ancien. Quand on me l'a apporté, il tombait presque en morceaux. Trop mauvais état pour être parfaitement restauré. Mais au final, j'ai fait du beau travail en le reliant. Enfin, ça vous dérangerait de le livrer pour moi? C'est pour le vieux manoir, après le troisième quartier. Cherchez le symbole de feu. C'était quoi, ça? Tiens, la cloche de l'église sonne. Allez voir ce qui se passe, mais apportez d'abord mon livre, hein. Vous aurez fini, passez à la maison du troisième quartier, j'y serai. C'est parfait. Du coup, on retourne au troisième quartier. Et on va avoir Merlin. Tiens mon vieux. Mais c'est mon livre, Sid vous a demandé de me l'apporter. Merci. Vous voulez savoir de quelle sorte de livre il s'agit? Moi-même, je l'ignore. En fait, il n'est pas à moi. Un beau jour, je l'ai trouvé dans mon sac, comme ça. C'est un livre très étrange. Je demandais à Sid de le restaurer. Bien, je vais le placer ici pour un moment. Ce livre enferme un grand secret, les pages manquantes le dévoilant. Je laisserai le livre ici. Consulte-le quand tu voudras. Mes remerciements à Sid pour l'avoir restauré. Oh, quant à ta pierre, tu devrais t'enseigner auprès de la bonne fée. Ah, c'est maintenant qu'il nous... D'accord. Savez-vous ce que c'est? Oh, le pauvre petit, il a été transformé en orbe d'invocation. En orbe d'invocation? Cette petite créature vivait dans un monde qui a été détruit par les ténèbres. Tu sais, tous les êtres disparaissent avec leur monde. Mais celui-ci avait un cœur très puissant, et au lieu de disparaître, il s'est transformé en orbe. Peut-il être sauvé? Oui, mais seulement son esprit. Maintenant, observe. Abracadabri, cadabra. Simba! Vous pouvez lancer les invocations si vous êtes trois pendant les combats. Chaque invocation ne peut être utilisée qu'une fois par combat. Si un des compagnons est KO, la commande invocation n'est plus disponible. Les personnages invoqués disparaissent lorsque leur jauge de MP tombe à zéro. Vous pouvez aussi choisir de renvoyer la créature. Renvoyer. Pour plus d'informations, utilisez l'invocation pour le carnet de Jiminy. Dès que tu l'invoqueras, il viendra à ton aide. Si tu trouves d'autres orbes, rapporte-les. Les esprits qu'ils abritent retrouveront leur corps quand leur monde renaîtra. Aide-moi à les sauver, Sora. Promets, je les aiderai. Je crois que le mieux c'est Mouchou. Je me souviens qu'il était très puissant, Mouchou. Vous devriez aller voir Sid avant de repartir. Mais je veux pas repartir, Voilà, je vais juste faire ça. Ah, te voilà. Où est-ce que tu étais? Riku! Hé, ça suffit! Cette fois, je ne rêve pas. Hein? J'espère que non. J'ai mis un temps fou à te trouver. Riku! Une seconde, où est Kairi?
Elle n'est pas avec toi? Oh, ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'elle a réussi à quitter l'île. Nous sommes enfin libres. Hé, peut-être qu'elle nous cherche aussi. Nous serons bientôt tous réunis. Ne t'en fais pas. Tu n'as qu'à me laisser faire. Je vais là. Que je laisse faire qui? Sora, qu'est-ce que tu... Je vous ai cherché partout, toi et Kairi. Et ils m'ont aidé. Qui sont-ils? Nous avons traversé tellement de monde pour vous retrouver. C'est vrai? Toi, un aventurier? Je n'y crois pas. Oh, et devine un peu, Sora est le maître de la Keyblade. Qui aurait pu le croire? Oui, et alors? Donc, c'est ça une Keyblade? Hein? Hé, hey, rends-la-moi! Attrape. Wow! Bon alors, tu viens avec nous, d'accord? Nous avons un vaisseau spatial génial! Il faut que tu vois ça! Non, il ne peut pas venir! Quoi? Shadow! Oh, allez, c'est mon ami! Shadow Fish! Oh, il est parti! Riku? Bien joué! Bon, au moins il va bien. Et qui sait, on va peut-être bientôt tomber sur Kairi. Voilà, alors la maison, elle est là. Même pas un petit combat avant d'y aller, je suis déçu. Et voilà, Cid. Hop! Vous connaissez Maléfique? Bah non. Il paraît qu'elle est en ville. Qui est-ce? C'est une sorcière. Elle a conduit les 5 cœurs à cette ville, ne la sous-estime pas. Elle manipule les 5 cœurs depuis longtemps. À cause d'elle, on a perdu notre monde. Aïe! Un jour, une armée de 5 cœurs a envahi mon monde. C'était il y a 9 ans. Je m'en suis sorti et je suis venu ici avec eux. Quelle histoire! Notre souverain était un sage nommé Ansem. Il avait consacré sa vie à étudier les 5 cœurs. Notre souverain? Ce rapport devrait nous dire comment les éliminer. Où est ce rapport? On l'ignore. Il a été éparpillé quand notre monde a été envahi. Je suis sûr que Maléfique a presque toutes les pages. Tu vois, c'est exactement ce que je t'avais dit. Pendant que tu peinais à trouver ton cher ami, il t'avait tout simplement remplacé par de nouveaux compagnons. Manifestement, il les estime bien plus que toi. Tu es bien mieux sans ce misérable garçon. Allons, ne pense plus à lui et viens avec moi. Je t'aiderai à trouver ce que tu recherches. Là, tu as remis le livre, le Navigomi est installé et prêt à démarrer. Si tu en trouves un autre, apporte-le-moi. J'ai ajouté un bloc de téléportation aussi. Ah, merci mon dieu. Maintenant, vous pouvez facilement retourner dans les mondes déjà visités. Je vais me remettre à mon vrai travail. C'est quoi mon vrai travail? Tu verras bien. Retrouve-moi dans le premier quartier. Je connais cette cloche. Je pensais à cette cloche dans le deuxième quartier. Celle qui a sonné il y a un moment? Oui, elle est juste au-dessus de la salle des machines. J'ai entendu une légende à son sujet. Le passage est condamné, personne ne peut y accéder. Allez vérifier, faites-la sonner 3 fois et voyez si quelque chose se produit. Comme ça, on ressort de la salle des machines, on monte l'échelle, et il y avait une cloche. Ah. Allez! 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 Brasier! Ah!
Ah, ça doit être ça. Donc on a le pied au rouge. Ça c'est par ici. Et j'imagine que c'est là qu'il y a la cloche. Voilà. On dit qu'il fallait faire sonner 3 fois. Regarde un peu mes compétences avant d'y retourner. Encore une fois, on est bon. Et ben voilà. On descend. Ah tiens, j'avais oublié lui. Alors je persiste à dire que ces couleurs sont dégueulasses. Oh putain. Voilà. Allez. Oula. Déjà ? Ah non, oui. Deuxième phase. Oh, j'ai fait quelque chose. Allez. Oh la vache, je vais désactiver cette roulade, c'est de la merde. Ah, je crois que en tapant dessus, je crois que je lui renvoie. Allez. J'aurais essayé. Voilà, j'ai appris deux impacts. Qu'est-ce que c'est ? Essence du vent. Rafale. Très utile pour un autre sentier spécial. Il faut faire rebondir.
vois, tiens. Eh, vous avez fait vite. T'as tout compris, je suis dans le commerce du bloc Gumi. Bricoler votre vaisseau Gumi m'a bien amusé. Revenez, je vous ferai un bon truc. Un bloc comète. Vas-y, prends-le, c'est une promo spéciale. Tu m'étonnes, c'est gratuit. Et tu as un autre navire Gumi? Je parie que tu veux l'utiliser. Exactement. On dirait que c'est un de ces blocs qui forment un ensemble. Tu veux trouver le bloc qui va avec. On fait voir un peu.